Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à eSport WRC, vous ne verrez pas la Toyota Yaris WRC 2, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai trouvé un truc plus marrant à faire. J'ai trouvé un chrono sur YouTube qui m'a été trouvé intéressant de tenter de battre. Donc je vais vous montrer tout ça, hein. Je vais vous montrer la vidéo du gars qui visiblement est vietnamien, puisque l'étoile du pays, quand je vais voir sur ESNet, ben, c'est le Vietnam. Même si dans le jeu, le drapeau est suédois ensuite. Enfin, c'est bizarre, mais bon, il m'a plutôt l'air, au nom, vous allez voir, il m'a plutôt l'air d'être asiatique. Donc, c'est spécial. Je vais vous la montrer dans le jeu, je vais vous montrer la voiture, et ensuite je me lancerai, je vous montrerai le setup, et je me lancerai pour voir si j'ai réussi à battre ce chrono. Voilà donc la vidéo en question. Donc le gars s'appelle comme Ungvin Rally, donc il a l'air plutôt d'être asiatique. Sur ESNet, son drapeau c'est Vietnam, donc ouais, il doit être asiatique. Donc c'est la spéciale de Montella Alorado, c'est-à-dire autour de Corse, sur le mouillé, en Hyundai i20 WRC 1 2023. Voilà. Donc, je suis tombé, c'est YouTube qui me propose cette vidéo dans mon fil. Bon, là vous la voyez comme ça, mais il l'a posté aussi. Sa chaîne est assez intéressante d'ailleurs. Il l'a posté aussi comme ça. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. C'est quoi, c'est un Logitech qu'il a? Ou plutôt un Toastmaster avec un, je sais pas. Son setup est sympa, ouais. Bon, combien il fait? C'est ça qui m'intéresse. Il ne le montre pas là. Alors, il va le montrer sûrement. Là. Voilà. Enlève-moi ça. Voilà. Donc on dit 550 897. Donc je vais voir. Je vais prendre cette voiture, la Hyundai i20, donc WRC 1 2023, montée à l'orade sur le mouillé. Et vous voyez là son drapeau, c'est le drapeau vietnamien. Donc ouais, et puis Ungvin, hein, c'est plutôt asiatique. Donc je vais prendre la même voiture, la même spéciale, les mêmes conditions de route. Et on va voir si je fais mieux que son 550 897. Comme vous le voyez donc, hein, il s'agit bien de la Hyundai, non, Hyundai, pas Hyundai, Hyundai i20N WRC1 2023, et donc la spéciale de montée à l'orade sur le mouillé, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, préparation. Poussée électrique, j'ai mis moyen, hein, j'ai mis intermédiaire, c'est sur l'asphalte, bon, même si c'est sinueux, j'ai mis moyen. Ensuite, donc le setup, le voilà. Alors un peu de passement devant. J'ai rajouté du carrossage. Par contre, j'ai mis beaucoup de passement derrière parce qu'elle avait un peu trop tendance à glisser de l'arrière, hein, à mon goût. Le frein, toujours pareil. Même si c'est sur le mouillé, j'ai beaucoup de frein. Moi, hein, c'est dû à mon pédalier. La répartition, je l'ai pas touché. La force du frein à main, là aussi très forte, hein, parce que sinon, le frein à main il marche pas. La boîte, j'y ai pas touché. Des différentiels, j'ai réduit, hein, sur le mouillé pour pas avoir trop de glisse et trop de sous-virage, j'ai réduit à peu près partout. Les amortisseurs, bon, c'est plutôt, on va dire, moyen dur, on va dire. Voilà, c'est pas dur dur comme si c'était vraiment de l'asphalte sec. Donc j'ai plutôt privilégié une suspension un peu souple, tout est relatif, hein, voilà. Et pareil pour les ressorts, par contre la garde au sol, elle, hein, elle est au ras du sol, sur l'asphalte évidemment. Et j'ai baissé aussi la barre anti-roulis derrière. C'est à peu près tout. Allez, on y va. Direct, gauche léger, droite léger, bonne chance. 5, 4, 3, 2, 1. Top, gauche léger, dans droite léger, 30 mètres, gauche 5, sur bosse, pour ciel, dans droite 6, bilan, 40 mètres, droite 2, ouvre, 100 mètres. Gauche 6, pour droite 4, ouvre, pour gauche 5, corde, soulage, droite 5, pour gauche 2, ferme, à la barrière, dans droite 6, très long, 50 mètres.
gauche 1, ouvre, 30 mètres. Droite, léger. Dans gauche 5, ouvre, soulage, 60 mètres. Droite, 2, 90 mètres. Croisement, gauche, épingle serrée. Pour droite 6, sur bosse, dans gauche sur ciel, 40 mètres. Gauche 3, 30 mètres. Gauche 4, ferme. Pour droite 3, très long, 30 mètres. J'ai un peu coupé l'épingle, hein. Je reconnais. Tourne, gauche 5, bref, 70 mètres. Gauche 1, bref, et 3, 50 mètres. Droite 2, tard, Milon qui referme, 30 mètres. Gauche 5, bref, pour gauche 4, Milon qui referme, 30 mètres. Droite 4, bref, reste intérieur, 30 mètres. Droite 2, 30 mètres. Gauche 4, 40 mètres. Jump, 30 mètres. Gauche 2, tard, 40 mètres. Croisement, droite épingle. 50 mètres, droite 4 sur ciel, 30 mètres. Croisement, gauche épingle aiguë. Dans gauche 4, tard, ferme. Dans droite léger, dans gauche 6, 50 mètres. Gauche 3, bref, 50 mètres. Droite 1, pour droite équerre. Pour gauche 5, pour droite 5, Milon, mur à l'intérieur. Pour gauche 3, bref, pour droite 4, bref, pas corde, dans gauche, léger, pour droite 4, bref, dans gauche 5, droite 5, pour gauche 3, bref, 40 mètres, gauche 2, Milon, ouvre, pour droite 6, long, 70 mètres, attention, gauche 4, reste intérieur, pour droite 6, soulage, 60 mètres, gauche 2, reste intérieur, pour droite léger, gauche léger, 40 mètres, soulage, droite 5, pas bon ça. Pour gauche 6, attention, 40 mètres. Droite 1, bref, sur pont, pour droite équerre, 30 mètres. Droite 5, corde, attention, 50 mètres. Gauche 3, reste intérieur. Pour droite 6, pas corde, dans gauche, léger. Pour gauche 2, ferme fort, reste intérieur. Pour droite 4, long, 80 mètres. Gauche 3, reste intérieur, 30 mètres. Droite 4, pas corde, 40 mètres. Droite 6, long, mur à l'intérieur, 40 mètres. Gauche 1, 60 mètres. Droite 4, long qui referme, pas corde. 90 mètres. Gauche 1, tard, Milon, reste intérieur. Pour gauche, léger, long. 140 mètres. Droite 4, bref, mur à l'intérieur, 40 mètres. Droite 6, très long. Pour droite 5, ferme fort, 160 mètres. Droite 5, sur bosse, soulage, 60 mètres, gauche 1, 100 mètres, droite 5, frein, 40 mètres, droite 3, ferme, dans gauche, léger, sur gauche, 3, dans gauche, léger, Milon, dans droite, léger, pour droite 6, 50 mètres, droite 4, bref, ferme, dans gauche, léger, 130 mètres, gauche 3, bref, dans droite, léger, dans gauche 5, bref, dans droite, léger, 80 mètres, droite 5, reste intérieur, attention, dans gauche, léger, 60 mètres, gauche 3, ouvre, 80 mètres, droite 5, 50 mètres, attention, droite 5, pas corde, pour gauche 5, droite 5, ferme, pour droite 5, long, 1 qui referme, pas corde, pour gauche, 2, bref, 50 mètres, attention, gauche, léger, 1 qui referme, pas corde, 40 mètres, gauche 3, ferme fort, 60 mètres, droite 3, bref, pour gauche 6, pour droite léger, serre à gauche, dans droite 5, pour gauche léger, pour droite 4, dans gauche léger, frein, 50 mètres, gauche 2, tard, Milon, 90 mètres, droite 6, très long, qui referme, 50 mètres, droite 4, long, 50 mètres, gauche 5, tard, ferme, 50 mètres, gauche 5, caché, 40 mètres, droite 4, ferme, dans gauche 5, droite 5, 300 mètres, attention, gauche, léger, très long, 4 qui referme, 70 mètres, droite 6, pas corde, long, 50 mètres, soulage, gauche 5, bref, reste intérieur, 40 mètres, gauche 3, bref, pour droite 4, pas corde, dans gauche 6, 300 mètres, soulage, gauche 5, pour droite 4, bref, mur à
à l'intérieur, 100 mètres, soulage, droite, 6, 3 qui referme, pas corde, 30 mètres, attention, gauche, léger, 1 qui referme, cours, pour gauche, 4, pour droite, 6, pas corde, 120 mètres, droite 6, tard, pas corde, dans gauche 6, sur arrivée et stop. Okay. Yes. Un score de 5 minutes 44. Bon, 5,44. Très bien. Allez, ça donne quoi, 5,44? Ouh, et meilleur temps idéal, 5,43,668. Donc on aurait pu faire mieux, quoi. Classement. Pas quatrième. Ah, il est pas loin, hein, le troisième. Le quatrième, il est pas loin. Par contre, le suédo-vietnamien, il est neuvième. Hein. Je lui ai fait perdre une passe de plus avec son 5,50. Moi, je fais un 5,44. Eh, le 5,41 du... C'est quoi? C'est le drapeau du Qatar, ça. Bahreïn ou Qatar? Non, c'est le Qatar. Le Qatari qui est en tête, voilà. Et il joue avec la boîte automatique, en plus. Hein. Donc, bon, 5,50, 170, il avait fait... Non, 5,50, 871, et moi, je suis donc à 5,44, 350. Ça fait du bien de temps en temps, hein, ce genre de défi. Comme j'avais fait un peu dans l'automobiliste à 2. Même si dans MS2, il était un peu brouillon, le tour, et j'aurais pu le profiler un peu plus. Mais bon, voilà, donc... J'ai battu le temps de ce gars. Je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il y a des vidéos quand même assez intéressantes et le gars il roule pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai dû quand même me cracher dans les mains pour arriver à faire ce chrono. Et à 1,43, 600 et quelques, qui est mon meilleur temps, pas virtuel, mon meilleur temps, et pas aléatoire, ça y est, je trouve pas le mot. Mon meilleur temps, et je trouve pas le mot, donc je serai à 5,43, je serai même pas troisième, donc mon meilleur temps idéal, voilà, même si c'est pas le mot que je cherche, je serai à 5,43 et quelques. Bon, mais ça va, hein, ça me fait plaisir, je suis pas trop rouillé, ça va, j'arrive encore à tirer de bonnes choses de ce jeu et à me placer comme il faut quand je me crache vraiment dans les mains, quand je m'y mets vraiment. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel à commander chez Fanatec, utilisez le lien dans la description de la vidéo, et profitez-en pour visiter mes autres partenaires. Ciao, et je vous laisse avec le replay.